Madame la Présidente, samedi dernier, le gouvernement a annoncé ses mesures pour enrayer le début d'épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 en France et l'émergence d'une souche européenne de ce virus en Italie. Force est de constater qu'elles apparaissent très inconsistantes avec le discours précédemment tenu et vis-à-vis de ce que d'autres pays touchés par ce qui s'annonce comme une épidémie globale ont entrepris. Certes, les établissements scolaires sont fermés dans les zones les plus touchées, dites clusters, comme l'Oise, qui compte près de la moitié des cas identifiés en France. Certes, les rassemblements publics y sont interdits, et dans le reste du pays, les rassemblements de plus de 5000 personnes le sont également. Pourtant, en même temps, les mesures de confinement des voyageurs en provenance de pays identifiés comme étant à risque sont suspendues. Il n'y a donc plus de quarantaine ou quatorzaine, puisque le temps d'apparition des symptômes peut atteindre 2 semaines à laquelle devraient jusqu'alors se soumettre les personnes potentiellement exposées à l'étranger. Cette position contradictoire, qui consiste à annoncer l'imminence d'une épidémie en phase 3 d'alerte sanitaire et à suspendre les mesures initiales de prévention de sa propagation, suscite l'inquiétude de nombreux citoyens. D'autant qu'en Italie, pays européen le plus touché avec plus de 2000 cas identifiés, le directeur de l'hôpital Sacco à Milan expliquait il y a une semaine que si l'épidémie avait pris une ampleur si considérable en si peu de temps, c'était en raison de l'apparition tardive des symptômes chez les personnes contaminées et qui ignoraient donc être malades et contagieux. Cette situation ne peut que nous préoccuper, car cette épidémie que vous envisagez il y a quelques jours pour nous présenter comme une urgence humanitaire en Chine est bien devenue une urgence de santé publique en France et en Occitanie. Notre région compte 12 cas à ce jour, presque tous liés au foyer italien. Je salue au passage votre décision de retirer de l'ordre du jour la délibération pour un don d'urgence de 20 000 euros destiné à aider la Chine continentale à lutter contre ce coronavirus. Ce don était évidemment inutile à la Chine, qui n'est pas un pays du tiers-monde et dont les moyens financiers excèdent largement les nôtres. Je salue également les décisions prises hier par le gouvernement afin de lutter contre la flambée des prix et la crise logistique frappant les équipements de prévention médicaux. Cela ne signifie pas pour autant que la région ne peut ou ne doit rien faire pour complémenter l'action de l'État en moyen terme. Or, pour le moment, vous n'avez présenté aucun plan d'urgence dont vous êtes ordinairement très adepte, ni expliqué comment vous pensiez préparer notre institution à l'épidémie. Nous avons quelques pistes à vous suggérer si vous décidiez d'agir au-delà des mesures d'hygiène relayées par le site internet de la région et qu'il conviendrait d'étendre à d'autres supports dans les divers lieux relevant de notre compétence. D'abord, de demander à tout agent revenant d'un déplacement dans une zone ou pays à risque de s'astreindre lui-même à la quatorzaine de précautions, en recourant le cas échéant au télétravail. Une telle recommandation devrait d'ailleurs s'étendre aux élèves possiblement exposés. Ensuite, de demander aux services de l'État la fourniture de masques de protection et anti-projection, désormais réquisitionnés, pour en assurer la disponibilité dans les infirmeries de lycée. Je rappelle qu'un contaminé sur 5 a moins de 18 ans en France. Enfin, la région pourrait acquérir des gels hydroalcooliques dont le prix est désormais réglementé afin d'établir des points de distribution aux endroits stratégiques. Ceux-ci peuvent être aux entrées d'immeubles de la région, aux espaces d'accueil, dans les lieux de passage comme les gares ou de restauration. Enfin, à nouveau, une attention particulière au lycée. Au-delà de ces quelques exemples de pistes pratiques touchant aux compétences régionales, notre contribution peut aussi être d'ordre politique. Nous invitons donc, en tant que présidente de région, à faire pression sur l'État pour le rétablissement des mesures de quarantaine imprudemment suspendues et qui sont pourtant de nature à prévenir les contagions et au même titre que la fermeture des établissements scolaires et donc à ralentir et réduire l'ampleur de l'épidémie. Je vous remercie.